Bonjour, nous allons faire un bracelet Rainbow en forme de fleurs. Donc je commence par prendre une boule, comme ça. Donc il faudra 6. Je prends une aiguille, comme ça pique pour un adulte qui vous le fasse. Voilà, ça il vous en faut 6. Donc moi je l'ai préparé d'avance, vous l'avez préparé d'avance pour pouvoir le faire. Donc la flèche rouge est ici, je commence là par les noirs. 1, après ensuite ici. Là. Ici, ici et ici. On va aller trop vite pour que j'ai le temps de faire avec moi. Pas si bien baissé là. En bas les noirs, pas trop coulé pour la suite. On continue dans le principe jusqu'au bout de l'appareil Rainbow Loom. Donc la flèche très importante, vous venez commencer par là, par cette flèche rouge là, ici et vers là-bas. Ça peut être un bracelet donc en forme de fleur ou en forme d'étoile, ça dépend. Et comme on va rajouter des breloques là, des boules de toutes les couleurs, ça fera penser plus à une fleur qu'à une étoile. Vous l'appelez comme vous voulez. En tout, on aura besoin de 45 élastiques noirs pour réaliser ce bracelet. Après, suivant la taille des bras, il faudra rajouter 10 de plus, donc 5 de chaque côté, on nous fera à la fin pour adapter à la taille. Vous pouvez l'adapter à la taille que vous voulez, le bracelet. Quand il sera réalisé. Le tout, c'est pas de trop. Il faudra pas trop les serrer. Sinon, au fur et à mesure du temps, le bracelet va casser. Donc, je le redirai à la fin. On rajoute deux là. Voilà quoi doit ressembler votre appareil une fois les astiques noirs de nuit. On reprend au début, ici, la flèche rouge. Donc vous prendrez les couleurs que vous voudrez. Ça, moi j'ai choisi
du rose, du bleu, du vert, du jaune, du violet et du blanc. Donc 6, quand il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va en former 6. Donc on commence par la couleur que l'on souhaite. On va commencer par le rose, c'est le premier que j'ai pris. Voilà, on fait le tour. Voilà, ici par contre, pas trop trop les coller, parce qu'après pour l'attraper on va avoir du mal. Côté c'est pas un problème. Voilà 6. Ensuite j'ai repris un par un les couleurs que l'on met. Donc pour faire plus joli, je vais changer les couleurs du milieu au milieu. Avant, je prends les boules. J'ai pris les mêmes couleurs que les élastiques qui vont aller au milieu. Donc j'ai 6 boules. Donc pour faire plus joli, on va pas mettre les mêmes couleurs. On va changer. Donc là je vais mettre du rose, par exemple on va mettre du bleu. On prend à l'intérieur. Donc pour l'instant, on laisse comme ça. Et là, on va rajouter de quoi la boucler. On va faire ces 3 tours. C'est pas trop trop serré, sinon on aura du mal. Après, on va reprendre. Il manque un tour, donc. Voilà, donc ensuite on pourra relever la boule dessus, donc ça va faire comme ça. On va passer à la deuxième. J'ai mis du bleu là, ben, je vais mettre du bleu en suivant, parce que tout dépend du choix que vous faites, que vous allez faire. Ça c'est un exemple, mais vous faites les couleurs que vous voulez pour faire toute une nuit ou changer de couleur. Il n'y a pas de souci, c'est un exemple. Donc là, mettre le rose. Ça peut faire joli. Pas trop tiré, effectivement ça va repartir. Hop là, je positionne où est possible. Donc là, je vais mettre un rose pour coincer tout ce beau monde.
n'était pas en français, c'est la page pas. Nous passons à la troisième fleur. Donc là, on va mettre du vert dans l'ordre que j'ai pris. Il y a plusieurs verres, peut-être que je les ai mélangés. Vous pouvez laisser vos commentaires pour savoir si vous avez aimé ou pas aimé. Si vous avez aimé, me dire pourquoi. Si vous n'avez pas aimé, aussi me dire pourquoi. Qu'on puisse changer certaines choses qui ne vont pas. Ça ne me dérange pas. Au contraire. Donc là, on pourrait mettre des éléments du violet et du vert. Je pense que ça pourrait faire joli. Comme ça, mais bon là nous on la met comme ça, donc tout sera bloqué, je pense qu'on pourra la remettre comme ça. On va faire que des gros doigts, donc on peut pas avoir grand chose, mais plus je vais la mettre au milieu de la boule avec les deux élastiques. Et là, je vais bloquer avec du violet. Donc, la troisième, nous allons mettre du violet pour suivre l'idée de la fleur, enfin de la boule. Mais bon. Après donc voilà, pour l'instant il n'y a rien de trop compliqué. Le plus compliqué ce sera d'attraper tout ce beau monde pour les ramener. Bon, si on prend notre temps, il n'y aura pas de soucis. Donc là je vais mettre la verte, ça rappelle le début. Donc, il ne faut pas que le blanc soit isolé tout seul au bout, que ce soit entre les deux le blanc. Et bien, on va bloquer là, avec du blanc. Enfin, pourquoi, je ne sais pas, mais ça, voilà. Oui, voilà. Donc passons à la fleur blanche. À la blanche, je mets ma petite boule jaune. Donc là, vous prenez là. Vous ne tirez pas, hein. Vous tirez sur celui-là, là.
Nous laisse jaune. Là, c'est pas peine de trop serrer, parce qu'après il va falloir le que ça passe dedans pour les re-enlever. Donc nous arrivons à notre dernière fleur, une dernière étoile. Moi je préfère dire ça des fleurs et une boule. Donc j'ai déjà une vidéo sur YouTube, mais sans les boules. Un bilan sur ton univers, j'ai oublié de me séparer. Donc voilà à quoi doit ressembler votre appareil Rainbloom à ce stade. Donc maintenant, moi j'ai pris un crochet comme celui-ci. On va retourner, on va récupérer à l'intérieur les élastiques roses pour les ramener. Donc le plus facile, c'est de récupérer dans l'ordre qu'on a terminé. Donc celui-là, celui-ci, 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 celui-ci. On passera celui-là et celui-là, et ainsi de suite. Donc là, hop, mon repère il est ici. Donc je passe à l'intérieur. J'écarte tout ce beau monde. Je prends là. Je tiens avec mon doigt le nœud que nous avons réalisé pour bloquer. Oui, c'est des féminines. Donc, c'est trop serré. Donc, je recommence. Derrière, je tourne. Voilà. Donc, voilà un. Deuxième pareil, je vais là. Intérieur. Je vais chercher loin, moi je le prends ici, une fois que je l'ai pris, je rentre comme ça, je vais là, et je tourne là, pour bien le rentrer au fond et tirer là, je le prends là, où je rentre, arrivé à ce stade, au fond là, je tire, je retire dans l'autre sens, vous voyez. Mais je l'ai fait tout doucement pour pas qu'il casse. Une fois qu'il est bien mis là, je l'aide à se détendre. Si on tire trop fort, il va casser. Surtout les roses, ils sont un peu fragiles. Pas sur celui-ci. On le rentre à l'envers. Bon, oui. De mon côté, je le vois. Je l'ai pris. Voilà, on est très loin.
Je le mets là. Vous voyez, il tire beaucoup. Donc là, on est dans une petite poche des cambres. Donc, de toute façon, je suis ici pour faire du repérage, voir où est-ce qu'il se trouve là. Donc là, ici, à l'intérieur, là, on le voit. Mais je suis le premier là. Donc, moi, je le vois là. Je le vois. Dans ce sens, le crochet. Mais par contre, j'en ai pris deux. Comme je suis un peu loin, c'est pas évident. Donc j'ai pris deux là. Mais je prends les deux tant pis. Et je n'en ai deux après. Sinon. J'ai même pris les trois. Mais ça, c'est pas la blague. Mais j'ai remis au fur et à mesure. Tant pis. Voilà. Et comme je suis loin, je vous manque bien. Donc on va passer à la bleue. Donc le crochet dans ce sens. Je passe sur le noir pour tout le monde. Cherchez bien loin. Et là, ici, voilà. Il faut bien mettre les doigts. Hein. Là, une fois que vous avez tout le premier, donc vous échappez. C'est ce que je dis. Donc là, pour dépanner, j'ai un petit, mais lui, un fer, c'est pas bon parce qu'il a les casques de fer. Donc là c'est tiré là. Je vous dis, ça tient bien. Ne tirez pas trop. Que dès qu'il devient blanc, c'est là que ça va casser. On l'aide. On l'aide à se détendre un petit peu. La technique de trapper au fond là, bien tout c'est que ça revienne. Donc si vous avez une autre meilleure que la mienne, il n'y a pas de souci. Hein. Vous la faites. Hein. Tout c'est que ça vienne. Donc là, du soit là, soit comme ça, bon, ça ne compte. Ça dépend. Voilà, on a pris les deux, ben on prend les deux, tant pis, on fera comme tout à l'heure. Des fois, c'est plus facile. Mais comme le crochet, le canon, c'est. Et là. Voilà, les verts, pareil. Ça, c'est comme les roses. Ça se casse.
Et là, pas de problème, très facilement. Très facilement. Ne tirez pas. On est deux. Un seul. Ça me rappelle. Sinon. Ne pas être pressé. Très important. Prendre son temps. Voilà, ah, non, la moitié, on continue. Des fleurs, puis après, il y a notre moitié à faire aussi, qui n'est pas simple non plus. Donc, dès qu'on commence à critiquer, c'est le commence à devenir blanc. Vite, on l'aide. C'est qu'on ne touche plus, ça va casser. Après, on attrape un autre, ça va se détendre tout seul. Ça s'est mis entre le noir de la boule et puis l'arrêt. C'est pour ça que pas trop serré, mais je pense qu'il fait 3 tours, mais même 2 tours, ça aurait été bien. Donc je passe tout dessous, tout le monde. Voilà, bas, bien tenir là. Ça, oui, ça s'attend. Ça tend dur et bien. On a faire besoin de tous les sens, c'est plus que le jaune. Donc on a fini la jaune, la blanche là. Passons à la jaune.
Donc là, on a fini nos fleurs. Nous allons essayer de retourner les élastiques à l'intérieur. Noir. Donc on prend par rapport à la flèche, là, le rouge, et on y va. Par là ou par là, c'est pareil. Attendez, je réfléchis parce que là. Non, je me suis trompé, c'est par là. Oui. Ah, c'est par celui-ci. Excusez-moi. Voilà. Le point critique, ce sera toujours celui-ci. Il faut aller au fond là. On cherchait. Hop, là, il faut bien écarter, surtout que les blancs sont. Là, nos fleurs sont bien tendues avec les perles et tout. Donc là, bien écarté pour aller au fond en chercher un. Voilà, n'importe lequel. Et en tirant, on saura où est-ce que ça part. Non, ça va là. Et l'autre. On va se tromper de côté, bien sûr. Ça, c'est bien de faire, c'est qu'un. Voilà. Mettre proche, proche, proche. Là, j'ai trouvé. Donc, forcément, quand on est loin, il y a des petits couacs. Alors là, maintenant que nous avons fini, je vais couper parce que bon, c'est toujours pareil, hein, pour que ce soit plus court la vidéo. Hop, maintenant que c'est fini, on va procéder à la tâche.
Faites en fonction de la grosseur de votre bras. On a juste 4. Moi je mets voilà, pour 4 ça, c'est pour voilà. Les bras plus gros, mais on va rajouter un ou deux de plus. Ensuite nous prenons un crochet de ce côté. Voilà. Et tu détaches. Donc si on ne s'est pas trompé, normalement, ça devrait bien se passer. Voilà. Là, et les boules sont parties de côté, c'est pas grave, elle va les faire revenir. Faites revenir. Hein. Ça revient de mon côté, toujours. Je peux mettre en forme. Parce que là, c'est la guerre là-dedans. Oui, c'est normal parce que là j'ai pas rattaché. Je ne l'ai pas rattaché, j'ai voulu coller. Donc là, hop là, on est en forme. Donc après, vous prenez le temps de tout bien remettre en forme. Donc là, allez. Comme je ne les ai pas attachés, forcément, ils sont partis.
Donc là, on est en train de les remettre. Hein. Et petit à petit, vous allez voir, ça va y arriver. Ça va arriver. Voilà.